les petits chocobos. Ah bah bravo Elios. Et GG Zek pour la bataille royale. Nice. Coucou les arrivants, installez-vous. Alors du coup, on était sur... Ah oui, le 2. Le 2 est là-bas. Et le 1. Et sur le 2. Ok. Ok. Ok, ok. Oui, c'est Vincenzo Vegano. Oui, bah ça avec un déguisement. Il y a un truc bizarre avec une mallette. Très étrange. Une fois que tu prends le coup de main, déjà ça va un petit peu mieux. Je sais pas si j'y vais. Ah ouais, en fait ils se sont fait voler la mallette par un singe. Ça va être jaloux. Facilement. Vincenzo est un gangster qui est chargé par son patron de récupérer une mallette au mystérieux contenu brillant. Il aime les animaux, mais les animaux ne l'aiment pas. Il aime les animaux, mais les animaux ne l'aiment pas. Alors, si vous voyez une référence que j'ai pas, celui-là j'ai pas la référence. À moins que ce soit Ace Ventura, mais je pense pas. C'est un gangster, Ace. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Chargé de récupérer les trucs brillants. J'ai pas, mais j'ai peut-être connu, mais je vois pas. Comme ça, j'ai pas. Je sais pas si ça vous parle. Et Aurélis, merci pour le raid. Comment que ça va? Coucou à tous. Et t'es sur quoi de beau? Un max de cœur dans le chat. Ça a fait péter les bombes là. Posé de partout. Avec John Wick. Johnny Wick. Installez-vous les arrivants. Je crois que ça a été ton stream. Sur Crime au Clock en avant-première, ce qui sort dans 2 semaines. Les devs m'ont envoyé pour promouvoir le jeu avant la sortie. Et pour moi, j'aime beaucoup. Pas les chocobos, si vous voulez. Moi, j'aime beaucoup. Encore. Tu l'aimes bien. Rien ne veut qu'il y ait plus de sub pour pouvoir mettre la cop. Ça, en fait. T'es frustré, tu peux pas la mettre assez. Faut en parler. Alors, il était là, et puis il est là. Théoriquement, le 3 devrait être au milieu. Mais un homme qui m'envoie une photo de poule. Ah, mais il y a un petit poussin. Je sais pourquoi il m'envoie une poule en photo. Oh, trop mignon.
destin qui est caché sous... Il m'envoie des photos en mimi. Ah, il est juste là. Il a fait ça et après il est reparti là-bas. T'étais sur quoi de beau, Rilis? Ça a été ton stream? Installez-vous les arrivants. C'est détente là. Non, c'est pas... Non, ils ont tous les deux les mêmes cheveux. Ah, on va leur finir, hein. Jeune Yiwick est un agent spécial à la retraite. Il passe son temps à se promener en ville avec son fidèle chien, à s'asseoir sur les bancs et à manger des bananes. J'adore. Non mais sérieusement. Manger des bananes. C'est un yaga en fait. Je monte de niveau en faisant le ménage. C'est pas beau ça. Mon ménage et le courage. Eh, c'est dur la vie de retraité, hein. C'est clair. Allez, il s'inquiétait pour son petit chien qui a traversé la rue. Sans regarder. Le chien qui s'échappe encore. Et il lance une banane pour sauver la vie. Ah oui, ok, il y avait la trappe. Le chien, il est tombé dans le trou, il a lancé sa banane pour sauver le chien. Excellent. Excellent. Ah, on a Jasper. Quel homme, quel sauveur. Quizio, bon appétit, ça fait plaisir de te revoir. J'espère que ta matinée s'est bien passée. Il s'est fait refouler. Il est allé en mode ouais. Il s'est fait refouler. Ah non, moi j'y vais pas du tout. Bah déjà les places sont chères. Je sais pas si où cette année c'est à Paris. Et puis comme je suis agoraphobe, c'est un peu compliqué ce genre d'événement. Accompagnée avec des gens que je connais très très bien, ça irait, mais toute seule. Ouais, c'est à Paris cette année. Après, honnêtement, il n'y a pas vraiment de truc qui m'intéresse à la tuche. Bon. Pas lui, ouais. Il était là. Bah, à moins de vouloir voir des gens en particulier, y aller pour le boulot, j'avoue que c'est pas trop... Enfin, y a jamais eu de truc vraiment qui m'intéressait à aller voir. C'est tombe quand en plus? Ça se trouve ça tombe à un moment. Il est parti. Il avait une casquette à l'envers. Chat avec une casquette à l'envers. Il a réussi à rentrer ou pas? Ah oui, en plus. Ah non, il y aura Shaki Horror Show la semaine prochaine. On va bien se marrer, enfin, vous allez bien vous marrer et moi je vais bien flipper. Mais, il est parti. Ben, vous le voyez, vous?
Non, je veux pas enlever les vignettes là. J'espère qu'il est pas collé aux vignettes. Parti. Et t'es à pied? Bah, il doit être en train de grimper par un autre endroit, tu vois. On lui a dit non et Ah, il est là, voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Bah, moi j'ai mes parents dans 78, mais avoir vécu longtemps dans la région parisienne toute mon enfance. J'aime en être le plus loin possible. Je vraiment. N'oubliez pas le petit clic, les gens, 30 secondes, 1 minute. Compte sur vous, il reste plus que quelques jours. Mais c'est vrai que si t'as déjà t'as pas ça à payer, ouais, c'est cool. Après, il y a quand même les transports, ce. C'est où à Paris exactement? C'est où pas? Parce que t'as quand même les transports. L'air de rien, les transports, c'est quand même un budget. Plus le billet d'entrée. C'est vrai que c'est déjà ça de pas avoir le logement. C'est vrai que c'est un budget quand même, hein. Ah, il est rentré. Ah si. Partout. J'ai vu l'endroit où c'était gratuit. Là. Ça aurait été payant, après t'avais la carte peut-être... Moi j'avais à l'époque j'avais le pass Navigo pour aller en cours et le week-end bah t'avais toutes les zones gratuites. Si je voulais aller à Paris là ouais je payais pas plus cher. Non sans le pass Navigo qui est payant à la base. Après des fois t'as des tickets à la journée. C'est un peu plus cher mais tu peux faut voir quoi. Mais bon les prix je les connais plus hein, ça remonte. Ouais, enfin, si tu prends une amende, tu vas regretter, quoi. Quelqu'un qui s'est arrivé, mais il voulait pas forcément gruger, c'est parce qu'il était à la bourre, en fait. Et du coup, il s'est dépêché de rentrer, il avait pas de billet, et... Ah bah, je te dis pas l'amende, hein. Soit tu payes tout de suite, t'as le gars. Ouais, il te fait un papier et tout et tu payes le double. Et je crois que, je sais plus à l'époque, c'était quoi, 40 ou 60 euros tout de suite. Sachant que quand il y a des événements, il y a deux fois plus de contrôle, hein. Après, bon, je peux comprendre, parce que c'était... les fois, les prix sont tellement, mais bon. Quand même mieux de, tu vois, de payer ton ticket, d'être tranquille, de voyager pas stressé avec ça. Après, faut se dire aussi que plus les gens fraudent et plus les prix augmentent. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme dans les magasins, tout ce qui est vol, c'est compris dans les prix en fait. Donc plus il y a un pourcentage de vol, plus les prix augmentent, etc. Et à mon avis, c'est pareil pour les transports. Hein. Après, quelqu'un qui gruche parce qu'il doit aller au travail et qu'il peut pas payer un ticket, je comprends, mais bon. C'est pour ce genre de choses. Et les gars. Voix pour un ticket à la journée, je pense. Bonjour. Ah, il s'est fait. il s'est fait arroser. Jasper est un influenceur qui cherche sans cesse de nouvelles façons de divertir ses abonnés. Son type de contenu le plus connu sont les défis qui tournent mal, dans lesquels il s'attire toujours des ennuis. Ce qui explique l'éléphant à la fin.
J'adore comment il s'est fait refouler. Il doit être tout content, ouais. Se faire trouver. Et du coup il refinit dehors. Ah non, il court. Il est trop lui. Elle est pas mal celle-là. C'est laquelle votre préférée? Tortue ninja, on a fait les tortues ninja, on a fait Jasper, on a fait Rick et Morty, et John Wick, ah oui, Vincenzo, mais je sais pas, Vincenzo et Lorenzo, peut-être pas des connus. Ah mais il y en a un autre, il y en a un autre qu'on a pas fait, Raquel, on a plus après, il nous manque Raquel, et Raquel, je l'ai pas vu, j'ai vu lui. Forest, hein. L'avais pas vu. J'ai pas vu Mirza. Alors, ouvrez l'œil, il est bon. Il y a un costard, il y a les cheveux courts. Hein. Le singe qui a fini à sauver. Ah, on est sur le 10, là. On est sur la fin. Ouais, tout début. Il est vraiment sympathique ce jeu. Comment vous le trouvez, Chocobo? Vous en avez envie d'en voir une fois par semaine ou pas? Une petite fois par semaine, une petite session. Hein. Ça pourrait être cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Une ou deux fois, après ça dépend peut-être que... Ah, si j'ai pas mal de trucs. Et lui. Ah oui, il me coupe. Aïe, 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 aïe. Pas. Où est-ce qu'on n'a pas regardé? Où est-ce qu'on a passé dessus? J'ai pas lu de dos. Non, y a pas le même live, mais... Raquel, 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 Raquel. On va changer l'image au pire. Ah, il a. Au moment où j'allais changer d'image. Raquel. Acteur. Parti par où? Je sais pas par où ça descend. Pas où il descend. Il est parti par là. Alors qu'il devait... Classique. Classique, classique.
Et GG Salway, Shadow Bounty, Bakineko et Da Vinci à niveau de plus. Merc. Alors, il est là. Ah, il a pris le métro. Ok, il est revenu là. C'est qui sort le métro? Il est là. Aller si loin, si. Il est peut-être allé à la fête. Et qui filme les flamants roses là. Par contre, ce qui est génial, c'est que du coup, on peut tout analyser une fois qu'on est en mode quête secondaire. Parce que là, on est en quête secondaire. Principales sont un peu plus guidées, mais là on peut un peu garder. Alors où est-ce qu'il a pu aller? Oh, quand même. Était là. Il serait allé en face? Bah non, bah non. À part rentrer là-dedans, je vois pas. À moins qu'il ait changé de tenue, Vous avez vu ou pas? Sur la 7, ouais, je suis bien. 7. On va voir la 8. Théoriquement, j'aurai encore. Regardant un peu partout, peut-être que ça m'apparaît. Étrange. Ah, ou alors. Ah, si, il est là. On dirait que. Il revient de là. Mais il est là. Ah, mais il a repris le métro. Il est re-rentré dans le métro. Il fait des trucs bizarres comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est échappé. J'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui est sorti par la fenêtre avec des draps, qui a accroché les draps. Accompagne et dit au revoir à quelqu'un. Téléport, c'est pas possible. Et là, il retourne au resto, non? Alors le 10, peut-être qu'un 3, le 10, 9, mais... Lalalala.
Incroyable, incroyable, cet homme, il fait des trucs bizarres. Incroyable. Oh, le petit chocobo m'avait pas répondu. Bim bim bim. Bête. C'est bizarre, hein? Téléporter. Ça, si ça vous plaît. Et aussi à ce jeu. Bon, après, c'est quand vous participez. Mais... Vous voulez la semaine prochaine ou pas? Mais après ok là je sais pas où il est. Il nous manque le 9 et le 10. Je crois que le 8 était pas, mais il a pu faire le mytho. C'est avec le 9. Peut-être qu'il est pas allé par là, peut-être qu'il est allé l'autre. Trop bizarre. Cochignon sauvage à Paris. Alors là. S'il a la fête, je le vois pas. J'espère qu'il est pas caché par une... Et là avec une... Je vais revoir quelqu'un. Tu l'as là après. C'est bizarre qu'il retourne en arrière, on est d'accord, mais bon. Là, là. C'est une affaire pour Sherlock Holmes, je vous le dis, moi. Les voleurs, on est d'accord, de toute façon. Peut-être, mais bon. Ah, Luna qui sort de sa sieste. Qu'est-ce que tu veux, Alain? Alain? Panneau Magno, heureux. Bah, je demandais si ce jeu vous plaisait à regarder et à participer. Pour faire les petits bonhommes, même si vous n'arrivez pas à les trouver, c'est pas grave, juste chercher ensemble. Alors si j'en remets la semaine prochaine au planning. Ah, oh, il a l'air d'avoir un truc. Sans la quête principale. On n'arrive pas à trouver Raquel le 9 et 10. Il était là au 8. Le 6. Il a pris le métro. Il est sorti du métro là. Il a repris le métro. Il est sorti du métro là. Il est allé par là. Et après. Un métro. Il est à l'intérieur, je le vois pas. Il y a pas mal de bonhommes, mais je connais pas. Il y a son image juste là. Au moins, vous pouvez vraiment. Voilà, vous pouvez regarder. Caché par quoi que ce soit. Pas pour moi. À l'œil et le bon. Ouais, lui va nous faire galérer. Hein. Et il bouge beaucoup, regardez. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Il est retourné là-bas. En dingue. Et une plante carnivore, fais gaffe, elle va te manger, mamie. Eh ben, je crois qu'on va être obligé de déclarer forfait. On en 10. Attendez. C'est pas lui quand même. Oh bordel! Comme c'est un acteur, j'ai reconnu le visage un peu, mais... Il a trouvé ses vêtements entre temps. Ah ouais! À quoi le Stanis, c'est un petit acteur qui revient devenir une star de cinéma. Il confie ses projets à son ami réalisateur sans toutefois trouver d'accord. Et il décidera alors de se lancer seul. Oh la vache, elle était pas simple. Ah ouais! Il s'est déguisé Heureusement que j'ai pensé que c'était un acteur qui pouvait se déguiser, mais je m'attendais à le voir dans une dans un endroit pour le faire, quoi, pas en pleine rue. Elle était dure, hein. Ah ouais, bah moi j'ai... Depuis le début, en fait, ce perso, il m'intrigue avec... Il sort de nulle part, en fait. Sur toutes les scènes, il y a que sur les deux dernières. Ça m'intriguait pas mal. Je comprends pourquoi il sortait des deux dernières. On a tout fait. Ouais, il y a encore un... Ah, mais c'est encore un à faire, celui-là. Celui-là, c'est quoi? C'est genre, on n'a rien, aucune info. Faut trouver avec son ombre. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de croix. Peut-être parce qu'on l'a pas encore déverrouillé. Ah non, parce qu'il nous met pas de croix. Ouais, il met pas de croix, il met rien. Je sais pas. On a fait ça en fait. Il a l'air d'avoir beaucoup de contenu, hein. On va aller sur la quête principale un petit peu. Ah, après il y a aussi ça. Ah, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait un truc de l'histoire et on n'a pas les persos. Genre là, si je fais ça, j'ai les quêtes secondaires aussi. Les petites pas tous. Ouais, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait toute l'histoire. Naruto, ça. Il s'appelle Whirlpool, mais pourquoi Whirlpool? On a BB Hot, on a Rico Riordan, on a Nomad. Oh non, c'est pas Prince of Persia, ça. Naru Canard, Max Rocket, Max Rocket, Max. Il y en a certains, ça me parle, mais Vous voulez quoi, quête principale ou encore du secondaire? Nous, on peut faire un peu de encore du secondaire. Peut-être que vous en avez marre du secondaire et vous voulez faire un peu de principal. Faut me dire maintenant avant que je commence à chercher Aladdin.
J'avais pas vu qu'il y avait Naruto. Là-dedans, on l'a vu vite. Attends, là. On a à gauche. Max Rocket. Hey, parle, mais. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, j'ai plus le nom. Si, c'est dans. Si, j'ai reconnu avec lui là. C'est son beau-frère. La momie. La momie. Là, c'est perso le héros principal, et ça, c'est le frère de la bibliothécaire. Et lui, il se marie avec la bibliothécaire. La momie, c'est, il est excellent ce film. Pour tous ceux que je voulais pas, enfin, c'est pas par eux. Deux morts. T'as dit en partant de la gauche. Hein? Où ta tête de mort? Tu parles du nomade? Tu parles du bipiote? Oh, oh, c'est pas vraiment tête de mort? Nomade, oui. Ah, bah nomade, faut voir l'histoire, peut-être que ça va me faire tuer. Aladdin, il est là. Un sali, oui, c'est bien lui. Alors, il est là au début. Moi, ce qui me tue, regardez, vous voyez les champs? En une journée. C'est magique. C'est ça, tout à l'heure, ça m'a fait tiquer. Ah tiens, il y a Naruto. Il y a Burrito, là. Ah, il y a Nomad aussi. Ah, Nomad, ça. Là, tu fous pas ma gueule, hein. Robot qui est là. Alors, l'histoire à la fin, on la lira plus. Non, mais c'est vraiment excellent comme ça. Il y a la quête principale, et puis t'as, si tu veux chercher un peu plus. Bon, après, ça serait con de pas faire la quête secondaire. Là, il y a Jasmine. Il y a Jafar aussi. Bah, il est là, tiens. Oh, on en voit là. Deux. Bon, t'es où, Ali, là. Ah, bah, il y a. Éclat. Comment il s'appelle dans la momie, c'est Rick aussi? Des fois il change les prénoms alors. Après Naruto, je sais pas, c'est Naruto dans toutes les langues ou pas? Parce que peut-être qu'ils ont mis Whirlpool parce que. C'est pas du tout. Ressemblant quoi. Sali, oui, c'est bien lui. Ah bah. C'est tout, je vous ai dit tout à l'heure. Comme la marque d'électroménager. Ouais, c'est marqué ça, regarde. Voilà, ref derrière la ref. Bah, je sais pas s'ils ont fait une double ref, mais je pense pas. Je vois pas pourquoi une machine à laver. Bon, je regarde pas Naruto, j'aime pas, désolé. J'adore. La peluche Pikachu Naruto qui était Mimi. Bon appétit, Zio, des bisous.
régale-toi, régale-toi bien. C'est passé. Ouais, j'ai tout perdu. On va chercher le 3, peut-être quand on prend le 3, on arrive à trouver le 2. Ça arrive. Après, les animés, c'est les goûts, les cool. Ah bah tiens, il y a lui. Mais lui, c'est le prince, prince of Persia, je pense. Ah bah là, dingue, là. Entre les deux. Il a trouvé la... la lampe. Ah oui, après il y a les... C'est vrai qu'il y a des TP sur la carte. Il y a des sortes de zap comme dans Kama, mais ouais, je pense que c'est ça hein. Pareil, j'ai pas joué à Prince of Persia, mais je vois lui. On peut pas jouer à tout hein. Il y a des trucs qui m'attirent. C'est vrai que Prince of Persia m'a jamais vraiment attiré. Ça doit être un bon jeu, hein, mais il m'a jamais attiré. Ah, en même temps, ce serait pas lui. Il y en a un qu'on a pas du tout trouvé. Oui, où c'est que t'as volé la lampe du génie hein? Là, il y a une lampe. Le 3 est là, le 1 est là. Alors là, c'est vrai? Je crois que c'est ça, impossible hein. Mais il s'est peut-être téléporté. Hop. Et là. Et après zap. Pas sûr. Voilà, il allait là, il a fait ça, mais. Ah, t'es pas chiant, Aladdin, à te téléporter, à te foutre partout. Le 1, c'est qui avait la lampe? Et toi, le petit putain, c'est pas toi? Pas le. Ouais, c'est le 4, tant pis. Ok, il a fait son feu. Et moi après, 5. Ah bah déjà, il y a eux qui sont là. Ah, c'est lui. Et à Luna, tu fais un câlin. Mais je crois que c'est ça, hein, Rick Oriente. C'est bizarre. Voilà, il vole, il peut aller n'importe où. Sûrement aller voir la princesse. Voilà. Prendre la main de la princesse.
Chakim. Après, il vole avec la princesse. N'importe où. Ça a l'air de rien, ça a fait marcher les yeux. Tapis blanc avec la princesse. Et aller dessus. Pour les deux pignons là. Ah oui, ils sont poursuivis par la... Ah, mais c'est ça le truc de il déshabille la momie en fait. Mais en fait, c'est qu'ils volent le trésor dans le sarcophage à la momie se réveille, leur court après, et après ils enlèvent les bandages. Tout à l'heure, on avait vu, mais on comprenait pas ce qui se passait. Qui était là? Un charmeur de, de serpent, j'ai l'impression. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas tous les bulles d'afficher. Mais je pense que sinon, ça cacherait trop le dessin. Pratique. D'avoir des plus petites bulles et de les voir. Bah alors, ah, ils sont là. Moquette. Max Rocket. Après, des fois, je sais pas si c'est des références ou juste des persos lambda qu'ils ont fait. Hein. Ils sont là. Ah oui, ils transforment le singe en éléphant. Bah comme ça, ouais, j'ai pas plus. Ils avaient abandonné l'éléphant, on avait vu tout à l'heure. C'est pas Naruto là ? En colère, si. Il est en train de bouder. Ah mais il y a comment elle s'appelle Sakura. Sakura là ou je sais pas quoi là. Elle a la même coupe de cheveux. Des Sakura, il y en a tellement. À chaque fois, tu cherches une Sakura d'un animé, que tu tapes ça sur Google, t'en as je sais pas combien, t'as tous les animaux, ils mettent Sakura. C'est insupportable. C'est un prénom tellement commun là-bas. Bah, tiens, on a trouvé Ali en même temps. Ali qui fait tomber la lampe. On avait vu tout à l'heure. La princesse sait que bah c'est pas un prince. Elle est là voilà en mode lambda. Elle l'aime bien quand même. Comme quoi des fois il n'y a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Jafar et le roi. Je sais pas si c'est le même nom. Où est-ce qu'ils finissent après amoureux. C'est que c'est un tapis volant, alors ils peuvent aller n'importe où. Il y a les zaps. Merci.
on a le parleur de serpent. Serpent, on lui fait des... Et Prince Ali, oui, c'est bien lui. Il y en a deux qui sont pas évidentes. Et il y a le singe qui est là. Quelqu'un qui l'achète. Le gant. Pas mal nomade là. La route haut. Ils sont bien, ils ont la belle vie. Pas du tout. C'est la momie qui a fini à poil. J'arrive pas à trouver le final et le 2. Ah, c'était avec lui là pour la. Petit singe est là, mais. De shipper un truc genre on était avec Jafar ici. Souvenir l'histoire pourrait m'inspirer, mais je vois pas déguise. Ah, ah c'est pas simple là. D'accord, hein. Ah, ils sont là. Devant les champs, putain, la vache. Waouh. Bon, par contre, faut trouver le 2. Avec tous les effets des champs. Le 2, entre le 1 et le 3, il trouve la lampe. Et où est-ce qu'il la trouve? Attends, je voudrais voir un truc. Prends la lampe. Pas l'air d'avoir de lampe là.
envoyé la lampe au tout début où elle était, c'est ça. Nulle part. Cherchons, le 2. Non morte, il y a sauvage à part. S'il a été à l'autre bout de la ville pour la trouver et qu'il a... Zap. Il a peut-être volé à quelqu'un. Vous voyez, sur les portails, il y a des seins. Connecté soleil. Tu sais, genre le soleil emmène vers la lune qui emmène vers le... Alors va savoir. Après je sais pas, c'est pas dit qu'il l'ait pris, tu vois. Ah regarde là, c'est la lune, c'est le quartier de la lune. Ah il a peut-être pris ça, quartier du... Et après faut trouver les symboles, tu vois. Je pense qu'on mettra plus de temps à trouver les symboles qu'à trouver. C'est ça, hein, mais Ça va être cool. Après, c'est peut-être pas téléporté, mais je vois pas l'endroit où il était. Hein. Quelqu'un qui a l'air d'avoir volé, mais je pense pas qu'il est allé là. Hein. Sally, étais-tu donc? En plus, c'est le dernier qui nous. Ali, du moins. Passer de là à là. Sur la lune, je le vois pas du tout. Donc soit il a pris sa place au celui-là, mais... Dans les deux cas, il a son petit chapeau comme ça sur la tête. Il est pas en mode sultan. Chapeau sur la tête. Petit. On est d'accord. Oh, dans le doute, des fois, il vaut mieux cliquer. Principal. Ok, pas. Bon.
il est allé vers... ouais, mais je sais pas, juste... pas vers là-bas, mais... Regarde de ce côté, donc... pas toujours simple, ouais. À moins qu'il y ait un petit chemin derrière qu'on voit pas. On passe tout derrière, là. En cherchant les autres, on va le trouver, mais... Ça peut être caché comme l'autre, vraiment un truc genre... l'un sur l'autre, ça se voit pas trop. Des fois, c'est à chercher, tu vois plus rien, tu vois fou. Et après, quand tu reviens tard, tu fais ah bah il est juste là. On va faire les deux gugus. Après ils sont là. Ah bah ah non, c'est le 3, on l'a déjà. Alors le 5 est là. Elle est dans le truc du tigre, mais j'ai pas vu le truc de pour représenter un tigre. Je pense que ça va être posé sur les étals ou je sais pas. Il y a quelqu'un, il lui vole. Bah, je suis allée voir justement, il y était pas. C'est à l'autre bout en plus, hein. Là où il, entre le 1 et le 3 normalement. Alors. Là, il se barre en courant. Ok, il amène le sarcophage là. Ok. Ensuite. 6, 7, 8, 9. Ok, donc 7 et 8 doivent être par là. Ah bah déjà il y a ça. J'ai pris des trucs. Le nomadisme. L'entrée discrète. Bon, on va finir ça en premier. Il joue avec le la momie. Ah bah là.
On aura fini Rick. Rick est un chasseur de trésors venu de l'âge de la vapeur grâce à la boussole temporelle, une invention de son partenaire. Les deux aventuriers sont à la recherche d'un trésor de... Temple, je crois qu'il est marqué. J'ai mis Otis Da Vinci, Claude. Un niveau de plus. La pauvre momie. C'est fait emmerder, hein. Fini tout. Alors, je comprends, ouais. Mais grave. En vrai, la momie, c'est triste, hein, si tu vois la fin de l'histoire. Hein. Que le méchant, il fait tout pour ressusciter la femme qu'il aime. Et, attention, spoil. Et, je... Et à la fin, lui, il est dans la merde. Il arrive à la ressusciter, il est dans la merde. Et il est sur le point de... Et au lieu d'aller l'aider, elle le laisse crever. J'ai dit, mais... Il a fait pour elle. Trop triste. Non, le 6 il est où? Ah, il a fait ça et la fin il revient là. Sérieux? C'est là. La momie. Ah, la momie elle a passé le truc. Ah oui, il a pris le zap. Zap. Faites chier avec vos putains de zap. On a Boruto. Ah, on a prince of Persil. Le prince du Persil. Tout le monde en prend pour son grade, hein. Chemin que pas les deux. Il peut être n'importe où en fait. Après il a un petit serpent à la tête.
y a une lampe, mais c'est tard. Pas la même lampe. Ah, il est là. T'es où? T'es reparti en arrière. T'aimes bien nous faire faire des allers-retours, toi. Un cerebo sauvage apparaît, Choco. Ah ouais, il me balade là, clairement. Clairement. Mais comme il y a les zaps, bah de toute façon quand on a fait la quête principale, elle nous l'a dit, là, notre IA allié, avec les zaps, c'est pas de suivre les gens. Non, tu crois? Bah lui, un serpent. Et le 7, il a le 8 et là. Ça remonte. Mais oui, c'est possible avec la carte Kiwi. Qui est en train de s'énerver. Il s'énerve beaucoup dans l'animé ou pas, parce qu'il est toujours en train de s'énerver là. Ah, y'a le génie! Y'a quelqu'un qui a retrouvé la lampe après avec le génie, parce que c'est vrai qu'Aladin l'a fait tomber. C'est Donald, c'est ça. Aïe, lui aussi va nous donner du fil à retordre. Il était là, il va vers là-bas, mais ah, il y a le bébé là. Comment vous arrêtez avec vos chants? Et regardez ce qu'il a fait, il a fait bien. Non mais regardez le chemin. Pour le moment. Faut arrêter, hein. Et il retourne vers là-bas le 10. Il est là. Ah. Et le deuxième fils du pharaon. Pour son anniversaire, il reçoit un bébé vert des sables en guise d'animal de compagnie de la part de son mentor. D'où la tenue, je me dis, on dirait un pharaon, mais en fait, c'est le deuxième fils. Elle est marrante, l'histoire. Non, c'est pas là, ça. C'est là. C'est trop mignon. Bon. Max Rocket, on a la fin, on n'a pas le début. Max Rocket. Théoriquement, c'est là aussi qu'on peut voir Prince Ali, oui, c'est bien lui.
Je les vois pas. Ouais, Ali en même temps. Je vois pas la différence en quoi. Ah, la référence, pardon. Mes yeux, ils commencent à loucher à force. de Max Rocket. Ça me parle et en même temps. Ça me parle. Que ça. Secret comme ça. À savoir. N'importe où. Ça a changé. Tiens. Si c'est là. Là jusqu'à là il y a son copain mais c'est et la petite poule aussi là. Je crois que c'est l'un des enfants de la ville qui aime jouer avec leur petite voiture. Ils participeront à une course pour déterminer qui est le plus fort d'entre eux. Ouais je sais pas du coup la ref. Gégélios, Brixas, Benou, Shirane, Bakeneko. Ça grimpe, ça grimpe. Aussi, elle est... Je vous ai pas dit ce matin aussi, il y a les nouveautés dans le dans la boutique qualité hein, du coup. Là, je mets... Ah mais bon ça c'est comme tous les mois mais. Là dedans vous plaît après bon, même si... l'envie ou les soucis. Ça vous plaît. Alors normal il manque plus beaucoup en classe. Voilà c'était là, la 5 est là. En tout cas, ça fait marcher le cerveau. T'es là, la vie, t'es là. Là, il est cassé, enfin, il est tout noir. Hein. Thank you.
fait un château, il est content. Alors, où es-tu? Un coucou en plus. Coucou. Nomade est un personnage mystérieux, né des sables au cœur du désert. Nomade est à la recherche des strings, des mutins semblables à des morceaux de tissu cachés dans la ville. Cherche des strings? Bah, il y a le vendeur de sous-vêtements. Allez, salut. Et moi, je vais m'auto-flageller. Et un de plus. Il s'appelle 2, 3, 4 et le 5 est où? Ah. Un qui transporte les moutons. En fait, des fois c'est proche. Oh! Il y a Rage! On a trouvé Rage! C'est la quête principale! On a trouvé Rage! C'est la prochaine affaire principale, ça! On a un zap là! Whirlpool est le leader charismatique d'un groupe d'enfants passionnés par la construction en sable. Il mettra son ami au défi pour déterminer qui est le meilleur sculpteur. Dans Naruto aussi, on va faire des sculptures. Je crois pas. Mais la tronche. Pourquoi tu dis Gaara? C'est le nom de son ami? Et Sakura, c'est déjà bien. Ah, mais bah, il a changé, hein. Écoute. Watari. Et à chaque fois, il est énervé. Quand il est content, bah, les autres, ils s'en foutent. Ils sont à côté en train de faire autre chose. Il est de nouveau pas content. Alors, 5 est là, le 7 est là. Alors, j'aime bien, c'est que le 7 arrive par là et le 5 va par là. Ah, elle est là. Trop bizarre, elle a fait un rond. C'est ton... Regardez-moi ça là! Regardez le tic tic tic! Comment voulez-vous que je m'en sorte? Ou 9? Elle fait là-bas! Oh. Elle rend dingue hein! C'est un robot qui rend dingue!
Elle retombe par là-bas. Il y a Jafar là. Regardez-moi. Ting ting ting. Ting ting. Et enfin le dernier. Bibi est un petit robot construit de briques et de brocs à l'esprit vif et curieux. Trop vif et trop curieux, les habitants devront faire face aux ennuis qu'il provoquera. C'est Bibi. Pas par rapport à Star Wars, y'a pas un robot qui ressemble à lui. Vous savez celui qui est rond en rond et blanc et orange. Peut-être pas ça, hein. Ça s'appelle. Cagoule à 2, donc peut-être que sur la 1 aussi. Il se faisait courir après, donc il a lâché sa cape. Il saute en l'air. Il grimpe d'abord ici. Ouais. Où il pouvait grimper. Comment il est arrivé là-haut? Ah mais c'est cassé la gueule là. C'est un combat en fait. 8, 9 et après le 10. C'est où? Il est tout là-haut. C'est à lui le dernier, on va devoir galérer. Prince Mekinar est exilé depuis longtemps par le pharaon. En concluant un pacte avec une force primordiale, il a obtenu le pouvoir des sables et des âges et va à présent... je sais pas. Se venger peut-être. Wouh! Il y a du niveau là. Je crois que c'est le début de saison. C'est la gueule. Oh, un duel.
à présent reconquérir la ville. Ah, reconquérir la ville, ok. Bon, Ali, il nous manque le 2. Alors, vous voyez un petit bonhomme avec un petit chapeau. Il a son chapeau comme ça. Manque que celui-là, hein. Manque que celui-là. Normalement, le 1 est là, le 3 est là, donc il devrait être entre les deux, mais apparemment, il prend des zaps. De voir plus large, mais... On va chercher... On l'a volé... Ouais, ils sont petits singes. Alors, attendez voir le verre. Apparemment, mais... Non, c'est sur lui, là, avec la capuche. Et un poulet. Non, parce qu'en 3 il l'a pas, il a toujours. Ah, il y a la 1 et il y a la 3. Non, le costume c'est à la 4. Là il a toujours son petit chapeau et le singe théoriquement. Peut-être pas le singe, mais au moins le petit chapeau. Il va par là. Mais on sait pas trop où ça amène par là. Ça ressort quoi. Ouais, je vois pas. Et puis j'ai pas trouvé la lampe avant qu'il y ait... Avant en fait, donc je sais pas du tout où elle est. Base. On va voir hein. Je te dis que là du coup mais merde. C'est la quête principale qu'on a eu tout à l'heure. Là j'ai fait mais c'est pas. Camouflé, je sais pas en voleur mais. Simple. Je pensais que celui que j'aurais le plus de facilité à faire à Aladdin parce qu'il est très reconnaissable, mais. C'est le dernier qu'on fait. Quoi?
je vois pas. C'est pas un chocobo si vous voyez. Hein. Ça se trouve, je suis passé devant plein de fois. Enfin, je vois que. Pas tu sais que c'était lui. Parce que vraiment. Oh, il pourrait être. Chaladin habillé comme ça. Le dernier qui nous manque est de secondaire. Normalement c'est au moment où il récupère la lampe parce qu'on a le 1. Et là, on a le 3 où il frotte la lampe. Peut-être qu'il y a autre chose entre. Non mais on n'arrive pas, ça fait... C'est le seul, on n'arrive pas. On a fait Prince of Persia, on a fait Naruto, on a fait la momie. On n'arrive pas à l'âne. Il y en a un paquet. Vraiment, le jeu il est vraiment sympa. Là c'est quête secondaire quoi. Il y a des petites histoires sur les cartes. Ouais, parce qu'après il a la tenue de sultan, mais c'est après. Et je vois vraiment pas. En fait, c'est entre le 1 et le 3. Il est pas au milieu, on est d'accord. Donc il a pris un autre chemin. Il y a des zaps de téléport sur cette carte. Mais je me dis peut-être qu'il a pris. Mais comme il va dans ce sens-là, théoriquement, il prend ce chemin-là. Mais il mène à ici le chemin. Pas trop où il mène. Après il arrive là mais on va quand même regarder toute la carte de tout. Là ils ont oublié de le mettre dans le jeu. On cherche. Il a été repoussé le jeu, il sort dans 2 semaines. Fin juin mais. Propre, hein, il est nickel. Hein. Ouais. En fait, c'est une suite d'événements, tu vois. J'y me manque que le 2. Tu sais, il fait ça. Ça raconte une histoire, mais. Et comme il y a des zaps. Pas simple. Je me dis qu'on l'a peut-être pas vu et qu'on est passé. D'analyser à chaque fois, faire tous les détails, mais. Surtout qu'Aladin, on le reconnaît bien. Je veux dire, il y a des persos des fois qui se ressemblent. Mais là. C'est là, il est en train de shipper et tu vois juste son bras passer et prendre la. Peut-être qu'il faut juste trouver un bras qui chope une. Bah entre la 1 et la 3 il a la même vêtement donc peut-être qu'il a une cape à la limite une cape mais là c'est Prince of Persia hein. Ah, j'ai pas vu de lampe justement j'ai essayé de chercher la lampe tout à l'heure on l'a pas trouvé. Après peut-être qu'il est pas en train de prendre la lampe, peut-être qu'il avait déjà la lampe sur la 1, mais dans sa poche. La 3 c'est il frotte la lampe. La 1, on dirait il se barre.
tête semble sous un cap. Lui c'est le nomade aussi. Jafar si, mais Jafar il est assez... T'as tous les persos hein, t'as la princesse et tout. C'est pas du tout la même histoire, c'est des clins d'œil, mais c'est des histoires différentes. Oh, t'as bien vu Naruto, des châteaux de sable. Ah, là. Ah, non. Ah, c'était la vue, non. T'aurais pu, hein. C'est eux, hein. Ah, là, c'est un rat, donc je... Ah ouais, hein. Bon, après, peut-être qu'il y a un oubli d'un perso dans le jeu, hein. Pas encore sorti, on sait jamais, on peut y avoir des... Bon, comme c'est des jeux de cache-cache et qu'il y en avait un qui était bien caché, c'est pas avec le champ qui était bien caché. Vous voyez, les amoureux ils étaient bien cachés là. Ils les voyaient pas avec le champ. Sally, oui, c'est bien lui. Je vais enlever les cases. Mais qui peut passer par ici. C'est le même numéro pour les cases de... Pas trop. Après, tant pis, hein, il nous manquera Ali. Désolé, mamie, t'es arrivé sur... Difficile de la fin. On a fait deux quêtes principales, une ou deux. On a fini le tuto, on a fait une quête principale sûre, et après on a fait une quête secondaire depuis tout à l'heure. Oh, les cases. Ah non, mais là il est dur, hein. Il est dur, hein. Il est dur, il est dur. Yaluna. Ça se trouve, en fait, on passe devant, mais... Je me dis peut-être que c'est un bras qui vole quelque chose. Enfin, oui, mais bon, ça serait quand même violent, hein. Ils partent là, mais... Il y avait pas un perso qui partait là. Ah, je sais plus quel numéro. Où ça? Peut-être un qui tourne le dos. Ça peut être quelqu'un qui tourne le dos. Oh,
sait jamais, hein. Passons. Oui. Tenté, mais c'est une femme, j'ai l'impression. Je sens qu'ils sont bien filmés. Ou alors il y a eu un oubli. Et ce qui est bizarre, c'est que je vois pas le singe non plus. Ça, c'est le nomade. C'est le gardien. Je pense pas. C'est un que j'ai cliqué ou pas, lui? Je sèche tout à l'heure. Ce Ali, ce prince Ali. Désolé, mais. Bien, en dessous. Ah non, mais. Et puis ça se trouve, la prochaine fois on tournera dessus, on le trouvera du premier coup. Hein. Faire au moins une par semaine, une ou deux fois par semaine de ce. Ouais, et je mets les yeux, c'est pas. J'arrive même pas à voir le cake mamie à me décrire. Mes yeux, ils louchent. D'une caisse comme s'il partait. On m'a mis la vue, hein. En train de décéder des yeux là. Il en manque qu'un seul, mais on n'arrive pas. C'est la mort cérébrale. C'est la décédence. C'est le mouton, je sais que c'est lui. Imagine, c'est là que c'est bon. Personne ne trouve, alors bon. Ouais, j'ai cliqué tellement partout. Ah, c'est pas lui. J'ai tellement cliqué partout que je vois même pas, quoi. Puis sur la quête secondaire, on n'a pas d'indice. Sur la quête principale, vous avez des indices. Pour pas que vous soyez bloqué dans le jeu, c'est assez cool.
quoi là, le petit visage pas content. Bon bah je... ouais, je donne ma langue à Luna. Luna, moi le... Qui nettoie là lui? Je vais décliquer 40 fois. Après j'ai cliqué sur lui aussi. Il y a lui qui a un bol. Là on a Jasmine et Or. C'est ça qu'il aille soit aller chercher le truc là-bas. Je sais qu'après il va aller la voir, mais une fois qu'il sera. Je l'ai pas trouvé. J'ai cliqué, c'est un chat. Je vois pas sur qui pas cliquer. C'est moi, j'ai cliqué partout. Et tu ou pas? Ah, c'était celui-là. Ouais, je. Je vois pas qui j'ai oublié de cliquer, hein. Succès, cliquer sur tout le monde, ça va. Non mais pas à savoir, ça se trouve on a un bug hein. Avec ma chance légendaire. Ça se trouve y'a que le petit chapeau qui dépasse, tu sais. Le petit singe, mais ouais, en fait, j'ai le... moi je cherche le 2. On a le 1, on a le 3, et après c'est tout le chemin, tu vois. A... on a la fin après. Et là, il va vers là-bas, mais ça peut sortir de n'importe où, mais il finit ici. Et comme il y a des apps pour se téléporter, comme il y a. C'est peut-être pas un bug, hein, mais je dis ça parce que bah malchance. Oui, il est juste devant moi et je le vois. Bon, après, vous le voyez pas non plus, donc ça me rassure dans un sens. Ça va, c'est pas moi qui galère. Vraiment. Hein. Un truc, quoi. Hein. On a pas de chance. On n'a pas assez de bons yeux. Pas faute d'essayer, mais bah ouais, il y a le petit singe sur la 1. Et je vois pas le singe, je vois pas. Là y'a plus le singe. Au moins le singe est transformé en éléphant, mais c'est pas tout de suite. Sur la fin, bah le singe il nous supplie. C'est la 1. Tapis volant là, il y a un singe là. Ah, il a le tapis.
On l'a pas vu. Et des fois, il y a un tapis volant, on le voit, mais là, je vois pas de tapis volant. On l'aurait vu en traversant toute la carte de fond en comble. Et là, tu vois, il y a un tapis volant sur la 6. On le voit, quoi, le tapis. Ok, là, le tapis, c'est assez... qui soit caché dans le tapis. Pendant qu'il vole, là ce serait tordu. Tapis volant ou pas, on le verrait, hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont proches. Non, pas trop. Hein. Ah, ils sortent du zap. Hein. J'ai l'impression qu'ils sortent du zap. Ouais, mais ouais, les trucs soleil et tout, en fait, ça nous aide pas. Parce qu'il n'y a pas de doublon. Au début, j'ai cru que c'était ça. Il y avait une lune pour la lune. Quartier lune et tout, mais je vois pas. En fait, je pense que c'est la porte étoile mène vers la porte truc qui mène vers la porte. On sait pas dans quel ordre. On n'arrive pas à discuter juste. On y avait pensé tout à l'heure, mais. Pas eu de. Pas trop. Il n'y a pas de doublon dans les chiffres. Ah bah tant pis, la prochaine fois peut-être qu'on va trouver du premier coup. Hein. Est-ce qu'on va trouver du premier coup. Là on a la quête principale. Et le grand méchant. Un truc... inconnu. Et la première quête, la première carte, on a fait ces trois petits ponts. Principal, on a fait à 60%. On a fait tous les secondaires. Enfin, non, il y a un secondaire qu'on n'a pas fait, mais il n'est pas débloqué. Enfin, une. Moi, je pense qu'on pourrait se faire une session au moins par semaine, ça pourrait être cool. D'être chaud à chercher avec moi à chaque fois. Après, il y a les enquêtes de meurtre et tout, c'est sur la quête principale. Les quêtes secondaires, plein d'œil. Sur la première carte, il y avait les tortues ninja par exemple. Ouais, c'est ça, au bout d'un moment, ça fatigue quand même. Ça fait, on est depuis 11h quand même. Quand j'ai fini le jeu d'avant, on est depuis un moment quand même. Parce que 4 heures qu'on est dessus. Donc en soi, forcément. Je pensais pas commencer si tôt, mais qu'on a fini le jeu d'avant. Et Renemesis. Du coup, on fera. Bah, la semaine prochaine, on fera. On fera The Serpent Rogue à la place de Strayed. Web. C'est juste que je peux pas en mettre trop pour le moment sur le planning parce que juste les devs m'ont demandé de pas montrer la fin du jeu principal. Mais ils m'ont dit il y a plein de trucs secondaires à faire donc. Du coup on y va tranquillou quoi. Une fois qu'il sera sorti dans 2 semaines à la limite on peut faire un peu plus. Faut juste demander voilà pour la fin du jeu de pas spoil parce qu'il est normal. Mais
Ouais, il sort. On est pas mieux qu'à il sort le 21. Mais il était repoussé à la base, il devait sortir le 30 juin. Et merci pour Follow Fire Gamer, bienvenue à toi. Désolé, t'arrives sur la fin. Ça va tranquille, et toi? Ouais, ça se comprend totalement. Bah, c'est comme quand les devs m'avaient envoyé Puyo Puyo Tetris 2. Persona Striker, c'est pareil, j'avais pas le droit de dépasser tel moment. Bon, je vais regarder pour le jeu de demain matin, mais je pense que je vais me prendre le DLC parce que bah, j'ai pas de réponse. Ouais, j'ai toujours pas de réponse. J'aimerais bien me faire le DLC de Bob l'éponge sur Power Rush. Il y a Rogue Lords demain. Et ouais, on doit refaire le livre de Cerberus. Parce que... Boss final. Oh mamma mia, mais il nous a défoncé notre tronche. Mais il fait trop mal. Il fait absolument trop mal. C'est vrai. Ah, trop. Là, je vous remets ça. Vous voulez aller voir le site officiel du jeu. Un peu plus d'infos. D'ailleurs, je vais regarder du coup. Si t'as été voir tout à l'heure, Red Shady, d'aller. T'as zioté. Hop, hop. Il sort bien sur Steam et Switch. Et le trailer, si vous voulez voir le trailer. Et plein d'autres choses, quoi. Alors, on peut mettre en français, je crois. Oh, attends. Je sais pas si on peut choisir la langue. Ouais, ouais. Juste, on n'a pas réussi à finir Aladdin, mais bon, la prochaine fois, ça se trouve, on va le trouver du premier coup, hein. Ça se trouve. Oubliez pas de prendre votre petite emote animée sur Steam. Votre petite carte du jour. Hein. Emote Steam. J'avoue qu'il y a des soldes. Mamie, elle l'a vu, j'avais pas fait gaffe au début. Si tu vas sur la page officielle à la une, si tu descends et que tu viens les trucs écrits, bah il y en a un qui te dit qu'on prend l'autocollant gratuit par jour. Alors faut savoir que la journée sur Steam c'est de. Alors je sais pas si c'est 17, 18, 19 heures, mais voilà, ça commence dans ces heures. Pas à minuit, hein. Là où se trouve leur serveur. Mais... Tu descends et tu fais ta liste de découvertes journalières, t'as une carte pour le badge saisonnier. Mais ouais, du coup, on fera ça la semaine prochaine en jeu du milieu. En jeu du milieu, on fera The Serpent Rogue et Zelda. Et jeu du matin, bah du coup, on fera un petit coup de route. Un petit coup de route, sauf pas chasse qu'il y a eu une mise à jour avec des petites choses en plus. Donc on fera sûrement une petite session. Alors faudra que je me remette un peu dedans parce que qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je... Ah oui, il y a Fall of Porcupine toujours le matin en espérant. Alors en espérant. J'ai plus de bug. J'ai un nouveau bug. Un jour, j'arriverai à finir Power Wash le matin.
regarde un petit peu, puis fin de semaine. Ah oui, il y a Shaki Horror Show la semaine prochaine. Ouais, dimanche prochain, il y a Shaki Horror Show. Du coup, Rockland, ça sera décidé. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, art, live, donc vous êtes le héros. Les crimes au clock, hein, je crois, un truc comme ça. Je regarde un peu les sorties. Je crois qu'il n'y a pas. J'ai pas noté de sortie la semaine prochaine, mais des fois, il y a des trucs qui sont là en mode coucou. Je ne devais pas sortir ou j'ai pas eu de trucs affichés. Et puis. À part le jeu d'horreur, j'ai rien noté, mais bon. Alors, on est jamais à l'abri d'un. Après, je laisse toujours un créneau ou deux sur planning de libre en cas de. Bon, bien sûr, des fois, c'est... je finis un jeu, donc je remplace par autre chose, comme cette semaine. On a fini très pang, mais... Ouais. Bah, Roots, je sais juste que certains trucs, il faut avoir fini la quête principale. On les avoir dans les nouveautés, mais il y a des trucs pas que quoi. Mais je voulais le platine, mais franchement, honnêtement, les succès du platine, c'est comme Stardew, c'est. Oh, il y a un truc que je suis allée voir parce que je comprenais pas pas avoir trouvé. Bah c'est de l'aléatoire. Alors c'est vraiment. je vous dirai pas quoi, mais il y a un truc, c'est de l'aléatoire. J'ai fait bon. Dire. Ouais, fixe, c'est ce matin, je crois qu'ils ont. Et ouais, des fois, bon, j'ai adoré le jeu, mais. Il y a votre ville qui est sortie aussi, vous savez, j'avais fait une sponsor dessus. C'est un peu galère pour moi la sponsor parce qu'en fait, c'est un jeu où vous parlez. Et vraiment, vous parlez dans le micro. Et bah comme je vous parlais à vous à chaque fois. Il est en early access. Mais il est sorti hier soir. Mais c'est avec une IA, IA en fait dans le jeu. Mais il était pas mal, mais moi le souci c'est en stream quoi. J'avais pas moyen de mettre pause sur le micro. Après, il n'y a pas français, mais certains persos, si vous leur demandez en anglais s'ils parlent français, ils vous parlent en français. Mais pas tous les persos. Mais on avait testé. Sinon, c'est vrai qu'il est pas mal, mais comme ça peut être limité par rapport à ça. Chippie. Toi la chippie, Shaki Chibi. Ça sent comme une fleur. Merci énormément, mamie. Chippie. Merci mamie. Bon bah demain matin, Bob l'éponge. Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Merci énormément. T'as raison. Les cartes. Merci énormément. Merci énormément pour aujourd'hui, vous êtes. Merci à vous pour ça. C'est bon, on va nettoyer. on va nettoyer l'océan. Tu l'as commencé, toi? J'ai vu que tu l'avais aussi. Je te spoil pas, matin.
va changer après le métro d'hier. On va aller sous l'océan. Ah bah y a encore une mise à jour. Sortie la route, je l'avais fait ce matin, il y en a une nouvelle encore. Un aquaquac sauvage apparaît. Erreur raid. Bon matin, Bob l'éponge dès 6h. Power Wash. Et ensuite, bah, Rogue Lords. Bah, ça me parle. Je crois que je l'avais vu. Mais c'est il y a longtemps. Hein. Mais j'ai pas tout vu Delikaku, mais ça me parle. Ah, il est pas sur le pass, le game pass. Ah ouais, bah ouais, du coup tu dois tout refaire. Bon, ce qui est bien, c'est que tu peux faire le DLC. Là, si tu veux faire le DLC en premier, à mon avis, il fournisse aussi, tu vois, l'équipement. Après, tu vois, tu l'avais fait à l'époque, donc c'est pas trop emmerdant, tu vois. Comme ça, si tu veux faire d'abord le DLC... Mais ouais, du coup, ouais, tu dois tout refaire, c'est le problème. Ben, je pense qu'il est payant parce que la licence, quoi, Nicole et Déon. Hein. Après, je comprends, hein, c'est normal. Hein. Honnêtement, moi, j'étais surprise que déjà les deux autres, ils soient gratuits. Hein. Ouais, par contre, tu vas devoir faire tout au début avec le matos de base. Ça, c'est horrible. Je me souviens de la première mission. J'étais au bout de ma vie. Mais après, je savais pas. Je savais pas que je pouvais quitter. Je croyais qu'il fallait faire la mission en entier. Donc peut-être que si tu quittes avant, tu peux acheter un meilleur outil pour finir la mission en cours. À voir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je savais pas. Donc du coup... très 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 long. À voir quoi. Et pour moi, j'ai quoi? J'ai quasiment 58 heures de jeu. Ça va, honnêtement, ça va. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas payé le jeu de base, hein, c'est pas que. Mais le jeu de base, il est à 25, là il a 20. Sur Instant, il est à combien? Ah, je crois qu'ils en ont plus. Ouais, ils en ont plus en stock, ils ont celui sur Switch. C'est parti comme des petits pains. Attends, on va voir. Là, une petite promo quand même Steam. Ouais, ouais, rupture. Là, c'est vrai que ce jeu, il a très très bien marché. Tous les DLC, je pense. Et à Warhammer aussi qui... Je pense Warhammer, ça va être rentrée automne. Enfin, je sais pas. Ils ont juste dit fin mai que ça allait sortir. Enfin, il y a eu un petit trailer, quoi. Mais le trailer, c'est juste... il nettoie le logo Warhammer. Hein.
pouvez le regarder, y'a pas de spoil. C'est juste un teaser, c'est même pas un trailer, c'est un teaser, voilà. Ouais voilà, c'est ça, bah c'est pas prise, tu te prends pas la tête quoi. Bah, y a juste un niveau qui m'a rendu malade, mais c'est un seul niveau. Bon ça, des fois tu craques, alors à la fin t'en peux plus quoi. Et des missions à la fin t'es là, ah je vais finir. Oh, c'est la roulotière sur la fin. J'arrivais pas à trouver ce qui restait, l'enfer. C'est Lolo qui a l'œil. Lolo, il le voit direct, quoi. Quoi, les trucs qui brillent. Moi, ça brille jaune sur orange ou sur jaune, je vois pas, mais lui, il voit. Pourtant, j'ai des bons yeux, hein. Mais à la fin, tu vois flou. Ah ouais, les ting. Ah mais moi j'adore, c'est tellement satisfaisant les ting. Moi j'adore, c'est qu'à chaque fois les viewers qui connaissent pas le jeu me font « Mais c'est quoi ce ting? Mais c'est quoi ce ting ?» C'est ça. Je suis sûr qu'ils sont en train de cliquer partout sur leur PC en train de chercher c'est quoi qui fait ting. J'imagine trop, tu sais. Le truc qui rend fou. J'aime bien les dinos, mamie, là, je te vois suivre des trucs de dinos. Il y a Paleopines qui va sortir en fin septembre. C'est des dinos aussi, mais c'est en mode tout mignon pipou. Vraiment pour les petits hauts, mais comme on aime, quoi. C'est de la ferme, en fait c'est une simulation de ferme, mais avec des dinos. Je sais pas si tu l'as remarqué, il y a une démo d'ailleurs, hein, pour ceux. Paléo, ouais, Pines, P-I-N-E-S. Il est vraiment tout pire. Après, bon. Et septembre, moi, il y a Five Farm aussi. Le prix. Ils abusent quand même. J'ai contacté les devs, hein, j'ai envoyé des mails. Je les relance de temps en temps. Un jour ils liront. Un jour. Ouais, le prix 60, hein. 60. Paléo, je sais pas, il va être à combien. Je dirais 20 balles. De toute façon, les jeux de ferme, moi je suis plus pour du 20-30, hein. Mais dans les prix, moi j'ai. Ouais, ouais, quand j'ai vu le prix, je m'attendais pas. Ouais, 60. Après, t'as même ils ont même fait une offre de précommande. Pour avoir. Quoi que t'as dans la pré. A l'air d'être un DLC quoi. J'adore la réponse de Wiz. Je sais jamais ce que ces IA peuvent faire. Ouais. Ah peut-être ouais que tu l'auras dans un truc quoi. Ouais. D'ailleurs si vous avez le PS Plus ce mois-ci là, il y a Alan Wake Remaster. Remake, c'est un remaster ou un remake. Et il y a un autre jeu que j'ai fait là. Merde. J'ai mis sur hop hop sur Didi.
Endling avec les renards. Alors par contre, faites gaffe, Endling, c'est vraiment très triste. Hein? Voilà. Je préviens parce que âme sensible, moi je... moi j'ai versé des larmes, alors... Mais il est magnifique, il est vraiment magnifique. C'est... Il a pas... Il a pas eu de chance, il est sorti le même jour que Stray. Et Stray l'a complètement effacé, et pour moi... J'ai adoré Stray, hein. Et pour moi, Endling est meilleur que ça. Mais bon, après c'est pas le même style de jeu, mais dans ce que ça dégage, dans ce que ça... et tout... T'as jamais lancé... Ah, il est très triste par contre, mais il est magnifique. Mais Tu joues une maman, hein. Donc voilà. Ça peut être difficile. Et tes mamans. Ah, Dalan. Ah, il faut que tu le lances. Moi, ça fait très longtemps, hein. Je l'avais fait à Xbox 360. Bah moi, Endling, j'ai réussi à faire la meilleure fin. Et ça reste quand même une aventure très, très forte en émotion. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment un jeu pour faire ouvrir les gens sur prenez soin de votre de l'environnement, en fait. Bon, bien sûr, et là, c'est pas ces gens-là qui vont forcément... Bah ouais, je comprends. Bah c'est pas pour ça qu'il l'avait lancé à ce moment-là, que c'était dur à jouer. C'est pas simple. Il est magnifique, mais c'est vrai que... Si vous êtes sensible ou éponge... comme moi... mais en tout cas, ouais, si vous avez le PS Plus, c'est... Je recommande, hein. Je recommande. Après, aussi... Si vous avez Two Point Campus, il y a aussi des petits trucs pour l'été qui sont sortis. Normalement, c'est gratuit. Des petits meubles d'été et tout. Ouais, un petit truc, hein, mais c'est toujours sympa. Mais c'est vrai que la boîte de Two Point, que ce soit Hospital ou Campus, ils essaient vraiment de toute l'année sortir des trucs. Mais ça me parle ton truc d'IA d'image. Je crois que Alex m'avait fait rejoindre le Discord pour tester. Bon, bien sûr, moi j'avais tapé des mots chauve-souris et tout et j'avais eu des beaux trucs. Bon, c'est marrant deux minutes après, bon. J'ai passé des journées à ça, t'es fou. Non, c'est légal, si c'est légal, tu peux. C'est un site? Je sais que c'était bien un Discord. Non. Ouais, tu peux. Oh, c'était lequel l'autre avec les renards? Parce que j'en ai plusieurs déjà avec les renards. Celui qui est connu, Ori ou Amber. Il y avait truc saison aussi, hein. Season After Fall. Les platines celui-là. Non, tunique j'aime pas. Pas fait. Mais tunique je pense pas qu'il soit émotion. Si. Lost Amber c'était, mais Lost Amber j'ai le platine aussi. Ah, des dangereux, des jeux avec des renards, il y en a quand même quelques-uns. Mais il y a plus de loups, mais. Avec des loups. Ok, Lost Amber c'était pas un loup. Non, Lost Amber c'était plein d'animaux. Il y avait un renard. Ah ouais, non, c'est plus parce que moi je suis pas trop fan des anciens Zelda et ça veut quand même. Ah, c'est quand même très... voilà, ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui ressemble. Lost Amber est magnifique. Mais ouais, tu joues...
Ouais, tu joues l'âme d'un défunt qui est dans le Louvre, c'était dès le début, lui. Je crois que c'était ça, hein. Ouais, c'est ça. Les secrets de son passé, c'est à vous et votre compagnon les découvrent. Ouais, je me souviens de l'histoire, je vois. Donc, ouais, c'est peut-être c'est celui-là, ouais, je sais pas. Il est magnifique, le Stamber. Alors, c'est Lamber avec un E, par contre. Mais, ouais, il est... Bon, il a été primé, il a eu plein d'awards, hein. Il a eu un paquet, me semble. Ouais, bah, ouais, je comprends. Et c'est des jeux, c'est... Le problème, c'est que les jeux indés comme ça, atmosphère, poésie, sont magnifiques, hein, mais par contre... Faut avoir le cœur accroché, ouais. Mais ouais, je l'avais platine. Tender dessus. Le jeu que j'aime bien, j'essaie de les platines, mais quand c'est possible, quoi. Faut pas que je m'en dégoûte. Oui, Roots, je commençais à m'en dégoûter parce que vraiment les succès me cassent les 1. Mais bon, on va laisser tomber. On va attendre les mages et on va kiffer les mages, quoi. Mais là, c'est la petite mage qui est sortie, mais il y aura un plus gros homme. Elle est où la feuille de roue? Ah non, mais moi, des fois, c'est pareil, hein. Bah, ce matin, on a eu un passage, je te dirai pas parce que tu en es pas là, mais on a un passage triste sans folle. Fine. C'est pareil, hein. Énorme aux yeux. Mais bon, on s'en doutait, hein. De toute façon, le jeu te prévient dès le début. Bah, la feuille de route, tu peux juste lire. Ça sort, mais lis pas les lignes, ouais, parce que. Enfin, encore, non, je suis pas sûr qu'il y a marqué parce que c'est ça. Jusque là, c'est la QOL qui sort, donc une petite. Petite page. Après, il y aura la 1.1 et la 1.2. Mais non, on lit pas. Moi, j'ai lu. Ah, des fois, je survole pour savoir si ça vaut le coup de vous stream, quoi. Des fois, si c'est juste des fixes, voilà quoi. Mais là, y a un peu de tout normalement qui est sorti. Des trucs, on va dire, pas forcément importants et. Après, quête principale. T'as fini la quête principale, Jérémie, ou pas? Je m'y attendais, hein, ce qu'on a eu ce matin, mais bon, quand tu t'y attends, bon. Genre un pincement au cœur. Mais vraiment beau. Après, bon, bah, en fait, j'ai encore eu une bulle qui se met en boucle, tout ça, mon bug. J'ai voulu faire une quête secondaire, enfin, un truc secondaire, tu sais, quand tu parles au perso, que t'es pas obligé de faire. Et la bulle en boucle, j'ai relancé et j'ai refait toute la matinée. C'était pas, voilà, au tout début. Mais c'est, en fait, c'est ce que je disais, c'est le problème, et les gens sont pleins de ça aussi sur les commentaires, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde manuelle. Et donc, si tu veux juste sauvegarder avant, au cas où qu'il y aura un bug, ben, t'es obligé de te recommencer toute la journée. Ouais, c'est l'arbre, là, principal. C'est ça, la quête principale. Comme, Stardew, la principale, c'est... en fonction de ce que tu choisis, mais c'est par rapport au centre communautaire, parce qu'il y a deux, du choix, deux possibilités. Ouais, bon, donc du coup, t'auras du nouveau, quoi, aussi. Il y a un autre truc, c'est qu'il faut finir, mais moi, je l'ai fini. Mais je pense que, normalement, si t'as fini l'arbre, t'as fini l'autre, mais je dirais rien au cas où. Ouais, j'ai presque 100 heures, hein, sur Roots of Pasha. Ça va, hein? Ça va.
J'ai 77% des succès. Non mais ouais, Roots, ce gros coup de cœur. Hein. Après bon, forcément, au bout de 100 heures de jeu, on a un petit peu en rond, hein, mais même s'il n'y a jamais vraiment de fin à ce genre de jeu. Ouais, on n'a pas du tout fait pareil. Mais c'est pareil, un streamer que je suis, j'y allais pas pour pas me soigner, parce que rien que ses titres, parce que lui aussi m'était... Bah, moi c'est ce que je trouve le mieux pour pas spoil les gens sur Twitch, de mettre quelle année tu en es et tout. Mais bon lui, des fois il rajoute un autre petit truc et... Et le truc qu'il a fini la première année, moi j'ai fini à la fin de la deuxième. Hein. Et vice versa j'imagine d'un autre truc. Hein. Ça dépend de tes préférences aussi, de ce que t'aimes faire dans le jeu. Toi, tu sais que t'aimes bien faire le blabla avec les persos, moi pas forcément, ça dépend. À part les persos que j'aime bien, quoi. Je suis sélective. Mais ça dépend, ouais. Mais la, même la pêche que j'adore, je l'ai trouvée... C'est pas gagné, hein. Non, c'est pas ce que tu préfères, les amitiés. C'est... Mais il y a plein de choses à faire, rien. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en fait, comment ils ont fait les choses. C'est ils prennent des choses de base qu'il y a sur tous les jeux de ferme, mais ils ont refait à leur sauce et c'est vraiment très sympathique. Qu'est-ce que j'avais pas compris. Moi j'ai fait direct pêche, pêche. Moi, ça va, je l'avais senti venir. Mais c'est peut-être parce que j'ai fait un jeu qui avait ça aussi. De... Moi, j'aime bien aussi moi, ma partie. Et j'adore mon perso maintenant, comment il est. Voilà. Alors, franchement, on a quand même des bons jeux. Mais ouais, demain matin, bah, Bob l'éponge carré et Rogue Lords. La suite. Rogue Lords, ça m'effraie là. Parce que je sais vraiment pas comment battre le boss final. Parce qu'en fait, ma technique était la bonne. En fait, je pense qu'il faut vraiment que je tombe aléatoirement sur des bons trucs. On croise les doigts demain. Bon allez, moi je vous dis demain matin 6h. On a fait une grosse session aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai si il y a eu deux gagnants ce matin pour les giveaways, j'ai ça à vous envoyer. Faut que je répare le truc sur ma scène en haut. Je vais le remettre pour y penser. En fait, il met pas les derniers... subs sont buggés. Les subs se mettent pas à jour. Et les cheers non plus. Je vais regarder ça. Je crois que c'est tout. Hein. Jamais j'oublie un truc. Des fois, à penser à 10 000 trucs en même temps, j'oublie quelque chose. Ça arrive. Non mais en fait j'ai laissé les trucs de... des réglages de base et en fait c'est peu. Alors que zone... En zone c'est bon parce que c'est un truc manuel que j'ai fait. Bon, ça va être vite fait, faut juste penser à le faire. Après, une fois que je l'aurais fait,
Ah, mais c'est les trucs automatiques que Streamlabs fournit qui sont un peu merdiques, quoi. Du coup, je vais faire manuellement avec Tipeee. Voilà, voilà. Il y a rien à faire, Tipeee, à chaque fois, j'ai pas de soucis. Ça marche. Bon, des fois, si, il peut y avoir des bugs, mais... C'est vrai que j'ai moins de bugs. Ouais, bah, je sais pas pourquoi, ouais. Ils ont dû mettre un truc dans le réglage de base qui prend pas certaines choses en compte, mais alors quoi? Bon, ça se trouve, les subs, ils prennent pas les subs offerts, peut-être. C'est ça. Et les cheers, c'est pas des cheers offerts, c'est... c'est des cheers. Je peux pas offrir des cheers à quelqu'un d'autre que... Du coup, ouais, bah, je vais tout, je vais les dégager, je vais les refaire avec Tipeee, c'est tout. Faut juste que j'y pense. Mais je m'étais dit la dernière fois ça a bugué, puis ce matin j'en ai eu le cœur net en fait. C'est comme il y a eu des subs et des cheers, du coup, ça j'ai vu directement que ouais, il y avait bel et bien un problème. Fixé maintenant. Bon allez, des zombies, prenez soin de vous, restez au frais. Faites attention, surtout si vous sortez le soir en ce moment. Et à demain matin, 6h. Pour nettoyer l'océan, oui. Et gloire à Dédé. Des bisous les chocobos, à demain. Prenez soin de vous et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et merci énormément pour les petites journées. Et pour les petits cadeaux. Merci à vous. Des bisous.